Il est parti de la base avec une potion chargeable, du coup il a pas d'item. Open frère. Les équipes LCS qui perdent leur spot, je suppose que Riot les rachète. C'est ce qu'a dit Travis Cafford. Soit les teams décidaient de vendre leur planète, soit ils seront forcés par Riot à vendre leur slot. Et bon. On verra. On verra plus en détail. Bon écoutez, c'est parti. Ouh, Zerimilio. Ça m'en occupe ça? Oh, je suis mort. J'aurais dû l'auto-attaque. Oh. Je déteste jouer contre Zerimilio, frère. Avec une fun, hein. Nice. Elle a juste dash, non? Elle a pas flash, d'accord. Nice. Thank you. Véritablement ce gars il trèche. Ça manque plus bien. Monte-lui bien, monte-lui bien. Et... potion chargeable, 15 cesse avant de finir. On cul. J'ai pas d'infos. Ouais voilà. Écoutez qui était dans le coin. Ah, j'aurais bien aimé que Thresh flash instant après sa lanterne. Ah, je pense que je suis dead. A pris top, ce qui est bien. Ah c'est dommage, si après la lanterne juste il flash le petit Jarvan, comme ça je prends la lanterne, on sort tous les deux parce qu'au final j'ai flash et il a flash aussi, donc c'était un peu orienté, mais j'aurais préféré un petit move comme ça. Pourquoi Yeu en first? Je fais toujours Yeu en first sauf si je dois faire Kraken encore une fois. Toujours le même réponse que tout à l'heure. Si je peux éviter Kraken, j'évite Kraken toujours. Et quand est-ce que je peux éviter Kraken? Bah ça dépend des goals que j'ai quand je recall. En gros si je peux, si sur mon premier recall je peux faire une BF, je fais forcément Yeu first. C'est juste si je back et je suis un peu stuck et que je peux pas aller prendre... je peux pas aller acheter d'AD et que je suis obligé de passer par des épées longues de merde et tout. Nice, trop HP. Hop là, pourquoi on a laissé le build Kraken? Il y a deux raisons pour moi. Imo ils font n'importe quoi, ils savent pas build. La plus probable. Et la deuxième c'est que les gens adaptent en fonction de... c'est une endgame celle-là. Ils adaptent en fonction de, des goals qu'ils ont. C'est-à-dire qu'en gros en LEC tu vas avoir privilégié la tempo avant tout. Donc tu vas faire des recalls avec moins d'argent et tu veux vraiment être le plus fort possible. Mais je pense que c'est plus que ce qu'ils build n'importe quoi. Oui. Non, ça a pas crit.
il a touché le hook, j'ai pas besoin de flash. Tu hook. J'avais peur pour eux, bien sûr. En totale confiance, hein. Tête avec nous. Hein. Ok, on se casse. Des TP potentiels, non. Je vais entendre sur Fantôme et Runa. Et Runan, tu fais trou-trou. En fait, je regarde les fights et je me dis, est-ce que les mecs que je vais taper vont se prendre l'explosion de mes roquettes en AOE. Alors je sais pas comment expliquer ça mieux, mais en fait, en gros, quand on voit... Enfin, l'intérêt de... c'est l'intérêt d'un avec Jinx, c'est quand j'auto-attaque. Tu vois, ça envoie des petites roquettes. Et en fait, l'AOE de mes petites roquettes est plus faible que l'AOE de ma roquette principale. Du coup, il faut vraiment que je sois dans un setup où je vais toucher toutes mes roquettes en haut. Que genre, bah, globalement, je pense que... Mais là-haut de mes petites roquettes vont toucher le mec que je vais taper avec mes grosses roquettes, tu captes ou pas? Et du coup, pour faire simple, je vais faire ça quand il y a... Les combats vont être très groupés. Genre les mecs adverses vont être vraiment à côté et tout. Et typiquement contre un Jarvan c'est pas mal parce que souvent il va m'enfermer dans le mur. Enfin dans l'ulti, et il y aura souvent des gens avec. Là il y a Rumble, Skarner, Jarvan. Donc globalement contre 2-3 mêlées, sachant que c'est des mecs qui vont vraiment fight ensemble, c'est bien. Si par exemple à la place de Jarvan, enfin à la place de genre Skarner c'était Zed. Bah Zed lui certes c'est un mêlé mais il va quand même faire sa vie. Putain. Donc il y a pas beaucoup de setup où vraiment il va pouvoir prendre les AOE des roquettes, tu vois. Quand tu fais pour expliquer alors que tu carry la game, ah, c'est grâce à toi, c'est grâce au Xayah que j'ai regardé à chaque fois. c'est ça qui m'inspire. En fait dès que c'est un peu compliqué je repense à ses lives et je me dis putain quand même. Quelle chance on a quand même hein. Et tu vois, direct, ça me redonne le sourire et ça me permet de rester focus dans les games. C'est ma petite stratégie pour ne pas tilt, notamment. Terrifié. L'entrant est pas mal. Un hook. Mais trash ce gars, frère. Oh mon Penta qui me l'a volé. J'ai encore les 4 stacks, hein. Ouh, quand la bonne vieille époque. GG. Nice. J'honore mon support, mec. Quel pays vite tu conseilles de visiter pendant l'été? Tu m'as vu ou quoi? T'as vraiment cru que je sortais de chez moi et que j'allais me balader, visiter des trucs, ça joue à LoL, c'est tout ce que ça fait ici. Hein. Ah, en vrai non, bon, tout à fait honnête, ça n'avait pas que jouer à LoL, ça joue aussi à d'autres jeux, mais pas que ça à foutre. Hein. Bon, par contre, la game est loose soi-disant, wax mensonge. Ouais, par contre j'avoue que j'ai vaincu mes stats. J'avais 0% de rate après 3 défaites sur 8 itérations, et là c'est une win. Arrête mon trash frère, il...